Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer une vidéo d'un de mes matchs que j'ai fait au début de ma carrière. Et je pense que ça risque d'être un moment difficile pour moi de me revoir catcher quand j'étais au début de ma carrière. Et le match que je vais te diffuser aujourd'hui, c'est un match qui s'est passé en 2013. Et en 2013, à ce moment-là, j'avais que 2 ans d'expérience dans le catch. Et donc forcément, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et que je revois un match qui s'est passé il y a quasiment 10 ans, je risque de voir des choses qui vont me faire mal aux yeux. Mais bon, d'un côté, c'est bien parce que ça va me permettre de faire la comparaison avec aujourd'hui et de voir le chemin qui a été parcouru. Mon introduction a été faite et maintenant, on va passer à la partie analyse. Ok. Bon oui, c'était un match par équipe. Et j'étais en équipe... Bah attends, je vais rien dire, on va attendre les entrées. Oh putain, ça me rappelle des souvenirs. Et je me souviens que cet endroit-là, c'était un des endroits où je m'entraînais, à Lessines. Et le présentateur, il avait même pas de micro. Je crois que le micro, il marchait même plus, il y avait eu un problème avec le micro, il devait gueuler comme ça. Oh, attention! Oh, attention! Oh, putain de merde! Oh. On était vraiment... deux personnages totalement opposés. Oh merde. Putain. Oh, il y a eu des doigts. Oh, il y a le doigt. Ah, méchant, je fais des doigts d'honneur. Il y a le doigt du milieu de la main qui s'est levé. C'est un show familial. Ah oui. Et oui, important de le dire, oui, à cette époque-là, j'avais un autre personnage. C'est pas Bjorg, mon personnage actuel. C'est... Attends, je vais rebaisser un peu le son, là, parce que j'ai l'impression que ça va fort. À ce moment-là, je m'appelais Blake Anderson. C'était mon tout premier personnage. Mais j'avais pas la barbe. J'avais déjà des cheveux courts, mais j'avais pas la barbe ni rien. J'étais maigre. On dirait... On verra mieux quand j'enlèverai mon t-shirt juste après. Je vais avancer un peu pour que... jusqu'au début du match. Alors, là, les faces, ils font leur entrée, leur célébration. Et c'est un match pour les titres. C'est un match pour les titres par équipe de la BWS à cette époque. L'arbitre qui ne fait même pas la présentation des titres. Normalement, quand t'as un match de championnat, l'arbitre il lève le titre pour montrer aux gens que c'est pour les championnats. Là, ça n'avait pas été fait. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Oh mon dieu, ça fait longtemps que j'ai plus vu mes anciens matchs. Ça me fait tellement bizarre. Déjà, ça me fait tellement bizarre de me revoir comme ça, comme j'étais avant là. Il y a un monde entre avant et aujourd'hui. J'ai peut-être pris, j'ai pris 30 kilos là, peut-être si tu compares à ce moment-là et aujourd'hui quoi. Bon, ça commence. En plus, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence le match. Allez, on va se faire un peu huer. Ah non. Les gens m'aiment pas. En plus, je suis pas loin de chez moi. C'est comme ça. Moi, je crois que le show, il était à 25 minutes de chez moi. Là où il y avait le show, c'était à 25 minutes de chez moi. Oh, comment ça, qu'un bras à la volée, deux bras à la volée. Putain, c'était le truc par excellence que quasiment tout le monde faisait à ce temps-là, à cette époque. Ah, bah oui, back souplesse directement pour commencer. Dès la première minute de match, une back souplesse. Mais dans mes souvenirs, je pense que je devais faire autre chose. Je crois que je me suis adapté. Il y a eu un raté quelque part et ça devait pas partir pour une back souplesse.
Et là, le mec avec qui je suis, Spike Dragon, avec son pantalon jaune et noir et son masque jaune, c'est avec lui que j'ai fait mon tout premier match. Mon tout premier match dans un show officiel, c'était contre lui. Allez, on va partir quoi pour une petite internationale, non? Esquive. Oh, dropkick. Dropkick dans la gueule. J'aime bien comment je vends par terre. Je reste pendant 2 secondes à rien faire sans bouger et puis je me réveille comme ça de nulle part pour faire le tag. Ah oui, à l'époque, mon selling n'était pas au point. En plus, on voit mon caleçon en dessous là. J'avais un caleçon blanc en dessous de ma tenue de catch. Quelque chose que je ne fais plus maintenant, je mets un truc noir pour que ça se voit pas, parce que si tu mets du blanc en dessous du noir, là, ça fait moche. Et en plus, c'était même pas un slip de catch que j'avais, c'était un maillot de bain. Là, le truc que j'ai, c'est un maillot de bain, parce que j'avais pas encore trouvé mon logo, j'avais pas encore trouvé ma tenue de catch officielle. Donc du coup, temporairement, je me suis dit, on va mettre un maillot de bain, ça va faire un peu catcheur. Alors que, oui, bon, c'est pas le top, quoi, mais c'était vraiment temporaire, quoi. Mais j'avais déjà reçu mes bottes, par contre. Bon, on va se concentrer un petit peu plus sur le match, ce serait mieux. Et la distraction classique. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Un coup de poing qui était pourri quand même, mal porté. Le slam, ça c'est ce que je faisais quand je savais pas quoi faire. Descendre du genou que je faisais assez souvent à cette époque-là. Bon là, c'est un peu la période où les méchants ont le dessus. La hit. On prend la hit. Il revient. On aurait dû se mettre dans l'autre coin parce que la caméra elle est placée dans notre coin. On aurait dû se mettre dans le coin du côté gauche pour mieux voir, mais bon, à ce moment-là je savais pas quoi. Oh, je me prends le Spinebuster. Move que je faisais aussi beaucoup à ce temps-là. Et même, c'est un mouvement que je faisais pas mal. Même encore aujourd'hui, assez récemment, mais maintenant tout le monde fait des spinebusters, donc j'en ai eu marre, j'arrête de faire des spinebusters, ça devient trop récurrent. Fouah. Ah, t'es mis dans ta gueule. Tiens, un petit coup de pied. Ça, je vais partir pour un big boot. Ah, à côté, je l'ai pas touché. Putain, ça s'est vu à 3 km. J'ai envie de me cacher là. Oh merde. Mais bon, c'est normal. On n'a pas commencé. On n'a pas tous commencé bon. Et encore, je sais pas. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis exceptionnel, mais bon, à cette époque-là, j'étais moyen. Quoi. Et je vois que je suis en train de remonter des. Oui, je pense que j'avais des coudières à la place de mes genoux. Je crois que ce que j'ai à mes genoux, c'est à la base, c'est des coudières parce que j'avais pas de genouillère. C'était vraiment le tiers-monde là, putain. Tombez là, plus vite. L'arbitre, il dort. Allez, on part pour une souplesse. C'est ça, une souplesse. Oh, il enroule le petit paquet.
Oh merde. On a failli se faire un double pin. Là. Ouais, j'arrivais plus à me sortir. Je crois que j'ai été bloqué. Je me suis sorti vraiment à l'arrache, comme ça. Je me suis dégagé un peu à l'arrache. Une nouvelle fois. Oh, on part pour un Snake Eyes. On part pas pour Big Boot, comme Undertaker. Non, on va dans le coin. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je cours, je cours. Même ma façon de courir, elle était molle. Mais, ah, mais mon splash, il était mou. Ça manquait d'impact. Oh, le tornado DDT! Est-ce la fin? Ou est-ce que ça va être le comeback de Spike Dragon qui va partir pour le hot tag? Le double tag? Et non, je l'en empêche. On part pour quoi, là? Line. Le ciseau de tête! Oula! Ça va, je les prenais bien, les ciseaux de tête. On va quand même noter quelque chose de positif dans ce match. J'ai fait le tag, ils ont fait... Allez, double tag. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Oh putain. Boum, super kick. Lui, il était bon, là. Spike Dragon, là, il est bon. Il est très bon. Lui, ça fait, à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il a arrêté de catcher. Mais ça faisait déjà plusieurs années qu'il catchait, lui. Donc lui, il bougeait bien dans le ring. Et j'ai été chanceux que c'était mon premier adversaire pour mon premier match. Il m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Il m'a guidé, quoi, tout simplement. Parce que quand t'es rookie, quand t'es débutant et que tu fais ton tout premier match, bah t'es perdu. T'es perdu dans le ring, tu vois. Donc il te faut quelqu'un qui puisse te guider, quoi. Oh, le manager, il a triché. Attention, on part pour quoi? Fireman Scary, moi qu'est-ce que je fais? Je sais pas où je vais, je cours dans les cordes et je pars. Oh le. Ah oui, le RKO. En fait. Attends. Est-ce que c'est la fin? Ah ouais, c'est la fin. Nouveau champion par équipe. Ah, on avait gagné les ceintures à ce moment-là. C'est con parce que pour le finish, j'aurais pu simplement ne pas courir dans les cordes. Il se retourne et je pars pour le RKO. Il y a une course dans les cordes qui sert à rien, en fait. Ça tue le rythme en plus. En plus, ma course dans les cordes était nulle. Et voilà. Nouveau champion par équipe. Que des bons souvenirs quand même. Bon, effectivement, ça a été difficile à regarder parce que maintenant, avec le recul et l'expérience que j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas dans le match. Mais malgré tout, ce match m'a fait remémorer des souvenirs et dans un sens, c'est un match qui fait partie de mon évolution et c'est plus sous cet aspect-là qu'il faut le voir. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo et si elle t'a plu, laisse-le-moi savoir en bas dans l'espace commentaire. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !